Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc ce soir on va parler de Saturne, donc avec son système d'anneaux qu'on peut voir au télescope. Il marque les esprits, forcément, on le reconnaît tout de suite et il fascine. Donc c'est la planète, cette planète on la connaît depuis l'Antiquité, elle est visible à l'œil nu dans notre ciel. Donc c'est la sixième planète du système solaire, elle est située entre Jupiter et Uranus. Bien qu'elle soit la deuxième planète en termes de taille, c'est la planète la moins dense de notre système solaire. Elle est plus faible que l'eau liquide et si elle était posée sur un océan, elle flotterait. Donc pour sa carte d'identité, donc son diamètre il est 9 à 10 fois celui de la Terre, pour une masse de 95 fois celle de la Terre. Sa révolution sidérale, donc c'est le temps qu'elle met à faire le tour du Soleil, c'est 29 ans et demi, donc presque 30 ans, et sa durée de jour, donc sa période de rotation, c'est 10h34. On verra que c'est un peu compliqué de savoir exactement sa durée du jour. William Herschel, il l'estime à 10h16 dans les années 1790, et elle a une rotation rapide, d'où découle sa forme en fait au niveau de l'équateur. Son équateur a un diamètre de 60 000 km et ses pôles sont à 54 000 km. Bonsoir Eric. Donc on a une différence de 10% et ça en fait la planète la plus aplatie de notre système solaire. Et ça, William Herschel, il l'a découvert donc en 1790. En termes de distance au Soleil, donc on est à 10 unités astronomiques, donc c'est 10 fois la Terre, la distance Terre-Soleil. Tu vois, j'ai failli en oublier. Donc on va passer à son exploration donc, par les sondes spatiales. En 1979, on a la sonde américaine Pioneer 11. Elle pèse 260 kg et elle est contrôlée depuis la Terre. Donc il faut bien prendre en compte les 180 minutes nécessaires au signal radio pour faire l'aller-retour pour les commandes. Donc cette sonde-là, elle va découvrir l'anneau F, les satellites Atlas, Prométhée, Pandore et Pan. Pioneer 11, elle va survoler les nuages de Saturne à la vitesse de 30 km par seconde. Et elle va passer à 21 000 km au plus proche. Donc le 1er septembre 1979, la sonde elle traverse le plan des anneaux. Après avoir frôlé à quelques milliers de kilomètres quand même, un satellite de 200 km de diamètre, on pense que c'est Janus. Donc la surprise de ce passage, c'est que les pôles géographiques et magnétiques sont confondus sur Jupiter et ça en fait un cas unique dans notre Saturne, pas Jupiter, ça en fait un cas unique dans notre système solaire. Cette photo, c'est une photo en phase d'approche par Pioneer 11, donc elle a été prise à 21 millions de kilomètres. Donc le 9 septembre 1979, la même année, Pioneer 11 elle quitte la magnétosphère de Saturne. Et en 1995, on reçoit le dernier signal à une distance de 44 unités astronomiques. Ça fait à peu près 6,6 milliards de kilomètres de la Terre. En 2003, on a également le dernier signal de Pioneer 10, donc c'est sa sœur jumelle, à une distance de 82 unités astronomiques, donc 12 milliards de kilomètres de la Terre. Ensuite, en 1972, on a Voyager 1 et 2. Donc là, ce sont des sondes automatiques cette fois et complètement programmables. Elles pèsent 815 kg, donc un petit peu plus lourdes que les anciennes. Titan, c'est vraiment le grand objectif de ces missions parce qu'on pense qu'il abrite des océans liquides. Donc Voyager 1, son premier grand rendez-vous, c'est Titan. Et c'est d'abord une déception parce qu'en fait, aucun des... Excusez-moi.
aucun des instruments de Voyager 1 n'arrive à traverser son atmosphère et on ne voit pas sa surface. Son atmosphère, elle est épaisse et orangée et rien ne passe. Donc Voyager 1, il va aussi traverser le plan des anneaux de Saturne et il observe les satellites. Ce qui en découle, c'est qu'aucun ne se ressemble. Ils ont donc tous une histoire géologique différente. Donc les clichés successifs de Saturne permettent de mesurer la vitesse de ses vents. Et on pense qu'à l'équateur, il souffle jusqu'à 1400 km/h. Donc Voyager 2, le 25 août 1981, il découvre que les anneaux ne sont pas statiques, ils vont s'approcher et s'éloigner de Saturne de plusieurs kilomètres en quelques heures. Et ici, on a une image en phase d'approche, toujours, de Voyager, toujours à 21 millions de kilomètres. Donc, en termes de qualité, on a fait un gros pas quand même. Donc, lors de la traversée du plan des anneaux, la plateforme de Voyager, elle se bloque. Les images des survols d'Encelade et de Tétis ne seront pas acquises par les caméras. Les ingénieurs ils vont parvenir à faire tourner la sonde au dernier moment et à prendre cette dernière image de Saturne avant qu'elle parte, toujours à 30 km par seconde. Donc ensuite, elle survole Uranus en 1986 et Neptune en 1989. Donc ces deux sondes, Voyager 1 et 2, elles émettent toujours. En août 2012, Voyager 1, à 18 milliards de kilomètres du Soleil, elle quitte l'héliosphère. Donc l'héliosphère, c'est la zone dans laquelle le vent et la magnétosphère du Soleil dominent par rapport à celle des étoiles voisines. Donc Voyager 2 la suit en 2018. Et si on définit la limite du système solaire comme la limite de l'influence du champ gravitationnel du Soleil, Voyager 1 et 2 n'en sortiront que dans 14 à 28 000 ans. Donc ces sondes, elles survolent Saturne à la vitesse de 30 km/h et ça ne laisse que quelques jours pour observer tout le système saturnien. Donc ça devient évident de la nécessité d'une sonde en orbite autour de Saturne. Donc la décision est prise de mener à bien le projet Cassini-Huygens. Donc c'est cette sonde. Elle mesure 6,70 m de haut. Je suis désolée, on ne voit pas très bien. En fait, elle va jusque là. Donc 6,70 m de haut. Donc en blanc, en fait, c'est son antenne parabolique qui mesure 4 mètres de diamètre. Et là, on a le module Huygens. Et elle a une masse totale de 5,7 tonnes. Donc on est loin des 815 kg. Donc la sonde Cassini, elle entre en orbite autour de Saturne. Et le module européen, lui, c'est un module de descente atmosphérique et il est destiné à descendre sur Titan. Donc le projet va prendre 3 ans de retard du fait de l'accident de la navette spatiale Challenger qui coûtera la vie à 7 membres de son équipage. Donc la sonde, elle finit par décoller le 25 octobre 1997 et 7 années sont nécessaires pour arriver à destination. Donc elle arrive à près de 170 000 km/h et elle entame son insertion en orbite le 1er juillet 2004. Donc après l'allumage des moteurs, pendant 90 minutes pour réduire sa vitesse. Donc le 25 décembre 2004, Huygens, il est largué. Il va passer 20 jours dans le vide spatial, sans guidage et sans propulsion. Et il se pose le 14 janvier sur Titan. Après 2h30 de descente dans son atmosphère, le module se pose sur sa surface et il va transmettre des données pendant 70 minutes jusqu'à l'arrêt, faute d'énergie. Donc la durée initiale de la mission, c'était 4 ans. Elle est d'abord prolongée de 2 ans en 2008 et puis de nouveau prolongée de 7 ans en 2010. Donc ça nous fait un total de 13 ans en orbite, c'est presque une demi-année saturnienne. Et ça nous a donné au total 127 survols de Titan, en étant au plus proche à 950 km du satellite,
On a aussi 294 survols d'orbite de Saturne, et puis 23 survols d'Encelade, en étant au plus proche à 25 km. En 2017, la sonde elle fonctionne encore, mais son carburant s'épuise. Et donc, dans le but d'une fin de mission contrôlée, sa trajectoire elle est modifiée afin de plonger dans l'atmosphère de Saturne et d'y être détruite. Donc, elle se précipite dans Saturne à 1500 km au-dessus des nuages le 14 septembre 2017. Et là, elle va continuer à de transmettre des données jusqu'à sa désintégration totale. Donc, son atmosphère elle est composée de plusieurs couches successives. On a d'abord sa haute atmosphère, donc là on ne la voit pas, c'est au-dessus de 700 km jusqu'à 4000. Elle est séparée en deux régions. Au-dessus de 1000 km d'altitude, on a la ionosphère. Donc les molécules elles sont ionisées et puis les atomes ont une charge. En dessous, on a la magnétosphère. Vers 1000 km d'altitude, on a une température de 100 à 250 degrés. Et puis vers 700 km d'altitude, on est à moins 120, ici. Donc cette zone-là, c'est la thermosphère. On a un très fort gradient de température. La seule absorption du rayonnement solaire ne suffit pas à expliquer les températures élevées de la haute atmosphère, parce qu'il ne peut réchauffer que de quelques dizaines de degrés. On ne peut pas monter à 250 par cette seule énergie. Donc ça, ce serait plutôt dû au phénomène auroral et la chaleur, elle serait répartie au niveau global, à toutes les latitudes, par le vent. Ensuite, on passe dans la moyenne atmosphère, c'est la stratosphère, donc entre 100 et 700 km d'altitude. Donc ici, on a une couche homogène en composition, et puis à 100 km d'altitude, on est à moins 190 degrés, c'est le minimum, c'est la tropopause. Donc là, on passe dans la troposphère. Donc la troposphère, c'est un endroit où la température elle augmente avec la profondeur à raison de 0,7 degrés par kilomètre. Et c'est cette région qu'on peut observer avec les nuages d'ammoniac, d'hydrosulfure d'ammonium. C'est vraiment cette région-là où se forment les nuages et où se concentre l'activité météo. Pour son enveloppe interne, donc la pression et la densité, elles augmentent avec la profondeur, à tel point que le mélange hélium-hydrogène devient liquide. À 1200 km, on est à peu près à 3000 degrés Celsius, et à 20 000 km de profondeur, on est entre 5 et 6000 degrés. Donc ça amène une séparation de phase entre l'hélium et l'hydrogène, comme l'eau et l'huile. Et l'hélium, comme il est plus lourd, il va chuter à l'intérieur de Saturne. Donc littéralement, il pleut de l'hélium. À cette température, on est à 2 millions de bars. Et à cette pression, les électrons sont arrachés des noyaux d'hydrogène et ils circulent librement. Donc l'hydrogène devient un fluide conducteur. Et ces mouvements convectifs vont être à l'origine du champ magnétique de Saturne. Saturne, elle émet plus de lumière qu'elle n'en reçoit du Soleil. Elle est plus chaude que l'énergie qu'elle reçoit, comme Jupiter et comme Neptune. Donc la première hypothèse émise, c'est qu'elle n'a pas terminé de se refroidir. Mais les modèles d'évolution planétaire, avec une structure en trois couches, comme ici, prédisent une température actuelle plus basse. La deuxième hypothèse émise, c'est que les pluies d'hélium, en tombant, les gouttelettes, elles relâchent de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc la sonde Cassini, elle va nous donner des données, elle va nous apprendre des données récentes qui nous amènent à repenser le modèle en trois couches. On va partir plutôt sur l'hypothèse d'un gradient de densité plus continu à l'intérieur de Saturne et qui entraîne une activité convective de fluide métallique sur une épaisseur réduite. Donc là, on a le modèle de Jupiter avec une très grande couche intermédiaire
là, elle serait plus petite. En fait, le fait qu'elle soit plus petite, les mouvements convectifs sont plus difficiles et donc le refroidissement est moins efficace. Donc ça peut expliquer l'excès de luminosité et ça expliquerait aussi le fait que le champ magnétique de Saturne est 10 fois plus faible que celui de Jupiter. Un petit repère météo, donc l'ombre des anneaux est projetée sur l'hémisphère d'hiver. Donc d'apparence, elle est plus lisse et plus uniforme que Jupiter, du fait d'une brume plus opaque en moyenne altitude, et elle a une concentration en méthane gazeux plus importante qui absorbe une partie du rayonnement solaire et qui masque l'activité météo. Donc les clichés de Saturne sont faits à des longueurs d'onde différentes où la brume est moins visible et le méthane absorbe moins le rayonnement. Et puis là, on a l'activité météo qui se dévoile. On va avoir des alternances de bandes de nuages, comme ici. On les voit très bien. On a aussi des tourbillons, des vortex au pôle qu'on ne voit pas sur cette image. On a des vents zonaux, donc, qui alternent d'ouest en est ou d'est en ouest. Et c'est ces courants-là qui vont donner cette apparence zébrée à Saturne. Donc ces courants-là n'ont pas changé entre Voyager et Cassini, donc il y a eu 30 ans. Et dans la haute troposphère, ils sont plus forts qu'à l'équateur, donc jusqu'à 1500 km/h. Sur le reste de la planète, ils sont entre 300 et 400 km/h. Et un des courants au pôle Nord va prendre la forme d'un hexagone, uniquement au pôle Nord. Et autour des deux pôles, on a deux cyclones qui soufflent à peu près 400 km/h. On a aussi la présence de ces instabilités, comme ça, comme des vagues. Donc en fait, c'est des zones qui sont situées entre deux couches de vents différents, qui sont à des vitesses également différentes. Et ce phénomène-là, on l'a également sur Terre, on peut l'observer aussi chez nous. On a aussi des vortex, donc des anticyclones ou des cyclones, en fonction du sens de rotation. Et ces vortex, ils ont plusieurs milliers de kilomètres de diamètre et ils sont fréquemment visibles. Ils peuvent aussi persister longtemps, plusieurs mois, s'ils sont présents dans une zone d'écoulement stable. Donc jusqu'à quelle profondeur soufflent les vents, puisqu'on n'a pas de surface sur Saturne? Donc, sur Jupiter, on est environ à 3000 km de profondeur, donc 5% de son rayon planétaire. Sur Saturne, on est plutôt aux alentours de 9000 km de profondeur, donc plutôt 15% de son rayon. Donc ça correspond à la profondeur où l'hydrogène commence à être ionisé. Donc c'était le schéma de tout à l'heure, celui-ci. Et où les courants électriques générés deviennent une source importante de frottement et qui vont freiner la circulation atmosphérique. Donc on en parlait tout à l'heure, son hexagone, on le voit bien ici. Donc au pôle Nord, il a été observé pour la première fois par Voyager 1 en 1981 et il est encore présent à la fin de la mission de Cassini en 2017, donc il est stable. Il est visible en infrarouge lors de la longue nuit polaire. Donc, non seulement il est stable, mais en plus, il ne semble pas subir les changements de saison. On n'en a pas du tout au pôle sud. On n'a pas les mêmes conditions. En fait, au pôle nord, il y a un courant qui est rapide et qui parcourt le pôle nord et il est déformé par une onde, c'est l'onde Rossby, et elle va créer l'hexagone. On pense aussi qu'il est stabilisé par le vortex en son centre, ici. Donc par contre, on ne comprend pas pourquoi il dure si longtemps. Ça, pour l'instant, peut-être qu'il est ancré très profondément dans l'atmosphère, et que du coup, ça l'aide à durer. On a un autre phénomène fréquent,
sur Saturne, c'est les grandes taches blanches. Donc Jupiter a sa grande tache rouge, mais il en a une seule très grande. Saturne, elle a des grandes tempêtes qui sont vraiment de grande ampleur. On en a à peu près une par année saturnienne, donc une tous les 27 à 30 ans. La première observation décrite, c'était en 1876 et ensuite en 1903. Elles ont d'abord été observées au microscope, puis au télescope, puis dessinées. La première photo qu'on a, elle date de 1933. C'est une grande zone brillante à l'équateur. En 1960, on a eu peu d'études sur celle-ci. Et en 1990, elle a été prise en photo par Hubble. Donc ces phénomènes, ils vont évoluer très rapidement. Ils vont persister quelques mois. Et ces taches ont une taille gigantesque qui modifie significativement son apparence à Saturne. Et elles peuvent grandir de 200 km² par seconde. Et elles finissent vraiment sur une globalité. Donc là, elle fait tout le tour, en fait, tout le tour de Saturne. Elle avait commencé ici, elle a fait le tour et elle est revenue là. Donc la prochaine attendue, elle était en 2017 et 2020. Mais en décembre 2010, on a une nouvelle tempête et Cassini est sur place. Donc les nuages, avec ces instruments, ils sont composés de moitié de cristaux de glace d'ammoniac, un quart d'hydrosulfure d'ammonium et un quart de glace d'eau. C'est la première détection d'eau sur Saturne. On a plusieurs éclairs par seconde pendant des mois. On a plus de 30 millions de signaux radio d'éclairs entre décembre 2010 et août 2011. Donc ça signifie des frottements très importants qui impliquent de l'eau, donc il a dû grêler ou pleuvoir. Donc toutes les tempêtes observées jusqu'ici, elles ont eu lieu soit dans la zone équatoriale, soit dans l'hémisphère nord. Pour l'instant, on n'en a jamais détecté dans l'hémisphère sud. On ne sait pas pourquoi. Les orages et le dégagement de chaleur qu'ils produisent, ça jouerait également un rôle dans le bilan énergétique de Saturne. Et ça libérerait épisodiquement son excès de chaleur interne. Donc ici, on est en quelle saison ? Ouais. Voilà, exactement. Et donc on peut voir, pas trop sur cette image, mais en fait ici c'est vraiment bleuté, et là c'est bien ocre. Et donc en fonction de la saison, la proportion d'aérosol, elle change, et ce qui donne une couleur différente aux hémisphères. Et on a des aurores polaires. Donc ce phénomène, il a lieu sur toutes les planètes du système solaire qui possèdent une atmosphère et une magnétosphère. C'est le cas de Mars, de Jupiter, de Neptune, de Saturne. Sur Terre, elles ont des couleurs vives. Elles sont vertes, rouges, violettes. Pour certains, vous avez peut-être pu les voir le mois dernier. Et sur Saturne, elles sont étudiées dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge et les ondes radio. Donc ça ressemble à ça, sur Saturne. Donc une aurore polaire, c'est quoi ? C'est l'afflux de particules chargées énergétiquement, donc des électrons, autour des lignes du champ magnétique, qui vont rejoindre les pôles. Donc en précipitant dans l'atmosphère, les électrons, ils vont exciter ces constituants chimiques. Donc sur Terre, ça va être l'azote et l'oxygène. Et pour les planètes géantes comme Jupiter ou Saturne, ça va être l'hydrogène, qui libère cette énergie sous forme de protons et donc de lumière. Donc les aurores dans l'ultraviolet, elles sont visibles en permanence, sauf quand Saturne va se retrouver dans la queue de la magnétosphère de Jupiter. Et donc là, on coupe l'afflux des vents solaires. Donc les vents violents dans la thermosphère, ils entraînent les particules chargées et génèrent leurs propres aurores. Et ça, c'est un cas unique également dans le système solaire. Donc un de ces secrets, on l'a abordé tout à l'heure, c'est la durée de son jour. Donc chaque étude menée en fait, sur Saturne amène un résultat différent.
Donc sur une planète tellurique, c'est facile, on prend un point de repère à sa surface et on chronomètre le temps qu'elle met à faire le tour sur elle-même. Sur une planète géante, on n'a pas de surface. Donc on cherche à déterminer la période de rotation de son intérieur profond, le centre métallique, où le fluide il est en rotation solide, le plus solide possible. Et l'enveloppe atmosphérique, elle est en rotation différentielle. Donc, du fait que ces pôles magnétiques soient confondus avec ces pôles géographiques, Saturne, beaucoup de méthodes ne fonctionnent pas. Voyager 1 et Voyager 2 ont mesuré des modulations périodiques des émissions radio, et les périodes, elles durent 10h39. 30 ans plus tard, Cassini, elle mesure les mêmes périodes à 10h47. Donc ces périodes, elles sont variables en plus sur des échelles de quelques mois pendant ces mesures et également entre chaque hémisphère. La durée du jour, elle est forcément la même, elle ne peut pas varier. Donc Cassini, ensuite, elle nous révèle que les émissions entre les hémisphères sont aussi différentes. Et donc en fonction des méthodes utilisées, les périodes elles vont de 10h32 à 10h39. Donc la réponse la plus précise qu'on puisse avoir, elle se cache dans ces anneaux. Et ils servent en fait de sismographes parce qu'ils sont impactés par les vibrations internes de Saturne et par la rotation de la planète. Et avec cette méthode, la durée déterminée, elle est de 10h33 et 38 secondes. Donc la durée du jour, elle a un impact sur les études de la structure interne, mais aussi sur la dynamique atmosphérique. Donc avec, on détermine la vitesse des vents. Et le courant équatorial pourrait ne souffler qu'à 1200 km/h au lieu des 1500 annoncés par Voyager 2. Donc ces anneaux. Donc ils sont une des plus célèbre et une des plus belles structures de notre système solaire. Leur première observation, elle a lieu en 1610 par Galilée, mais il n'avait pas réalisé que c'était bien des anneaux. En 1656, on a Charles Wiggins qui interprète correctement ces observations, et Pierre Simon de Laplace suppose, lui, que les anneaux ne sont pas une structure rigide parce qu'ils seraient déchirés par les forces de marée. Donc l'hypothèse, c'est que ce sont des grains ou des lunes. En 1684, Cassini remarque une zone vide entre les anneaux A et B. Donc on est ici. Donc ça va s'appeler la division de Cassini. Donc les anneaux, ils ne sont pas lisses, ils ne sont pas uniformes non plus. En termes de couleur, ils vont du gris au rose saumonné. Et donc ça peut vouloir dire qu'il y a la présence de fer, pour expliquer la couleur rose. Ils sont situés de 75 000 km à 140 000 km de rayon du centre de Saturne. Et ça équivaut à 1,2 et jusqu'à 2,3 rayons planétaires. On verra un peu plus loin que c'est important. Donc ils sont composés de blocs de glace, ça va de 1 mm à 10 mètres, et ils sont très fins, une dizaine de mètres d'épaisseur, pour un diamètre total de 280 000 km. Pour vous donner une idée, c'est la distance Terre-Lune. Donc vers 60 000 km du centre de Saturne, donc très proche de la planète, on a l'anneau D. Il est seulement en fait à 15 000 km au-dessus des nuages de Saturne. Ensuite, on a l'anneau C. Ces deux anneaux-là, ils sont presque transparents. Ils ne sont composés que de bandes de fines poussières et d'étroits annelés. Les lettres, là, ce n'est pas les anneaux. C'est pas les anneaux. Donc l'anneau B, c'est le plus brillant, le plus massif. Il est constitué de blocs de glace de quelques mètres. Il contiendrait la majeure partie de la totalité de la masse des anneaux. Et sur son bord externe, on a de grandes structures verticales
ici, qui projette des ombres quand le soleil se couche sur les anneaux. On voit très bien ces ombres. Donc c'est probablement créé par le satellite Mimas. Donc la division de Cassini, qu'on voit ici, elle mesure 4500 km de large. C'est une zone peu dense, constituée de fins annelets. Ensuite, on a l'anneau A, ici. Donc l'anneau D, il est par là, l'anneau C, là on a l'anneau B, la division de Cassini, l'anneau A. Donc l'anneau A, il est à 122 000 km de Saturne. Il est brillant et translucide, il a plusieurs divisions, on en voit une autre ici. Là, et une ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc en fait, ces divisions, on a des satellites qui orbitent dedans. Et ils s'arrêtent brusquement, on le voit d'un coup, ici, à 136 000 km de Saturne. Et donc on ne voyait pas sur la photo d'avant, ici, on a l'anneau F qui est entouré par Pandore et Prométhée. Donc cet anneau-là, il est très fin, il est situé à 2,5 rayons planétaires de Saturne. Au-delà de Janus et Épiméthée, on a encore deux anneaux, mais qu'on ne voit quasiment pas, on ne peut les voir qu'à contre-jour, parce qu'ils sont vraiment translucides. Donc l'anneau E, il est situé ici. Et en fait, il a Encelade et il est alimenté par les geysers d'Encelade. Et lui, il est à 237 000 km de Saturne. Et puis, beaucoup plus loin, donc ici on a Saturne, là on a Titan, Japet, et là on a Phébé et l'anneau de Phébé. Donc il est vraiment gigantesque. Il est constitué de particules sombres qui noircissent les surfaces des satellites, en particulier Japet, on verra ça tout à l'heure. Et toutes ces poussières, elles sont relâchées par Phébé. Donc il est situé entre 6 et 16 millions de kilomètres de Saturne, donc il est vraiment beaucoup plus loin. Cet anneau, il est vaste, mais il est presque invisible. Et il a été découvert seulement en 2009. Donc les anneaux sont composés à 93% de glace d'eau. Les 7% pourraient être du carbone ou du fer, donc qui serait responsable, on l'a vu, de la couleur rouge saumon. Et la glace d'eau, elle explique qu'il reflète très efficacement la lumière. Donc c'est un des corps les plus brillants du système solaire. Donc quel âge ils ont, comment ils se sont formés? Tout d'abord, on va voir ce que c'est la limite de Roche, parce que ça va être important pour la suite. C'est la zone à l'intérieur de laquelle les forces de marée planétaire, elles empêchent toute accrétion. Donc on n'a aucun satellite, en tout cas de grande taille, qui peut se former dans cette zone, parce que la vitesse de collision, elle est supérieure à la vitesse de libération. C'est une loi universelle, et cette limite, elle se place à 2,5 rayons planétaires. Ici. Donc avant ça, on peut avoir des petits satellites, mais jamais des gros. Donc leur formation aux anneaux. Donc on a différents modèles qui sont proposés, mais on n'a aucun modèle qui fonctionne sans difficulté. On a le premier, c'est le passage d'une comète ou d'un objet de la ceinture de Kuiper, donc qui est situé après Neptune. Donc le corps trop proche de Saturne va dépasser la limite de Roche. Et ses forces de marée à Saturne, elles vont le détruire. Donc on aurait 1 à 10% du nuage du grain créé qui resterait en orbite autour de la planète. Donc ça peut expliquer la composition riche en glace des anneaux. Mais
Le corps capturé devait avoir un diamètre compris entre 500 et 1000 km de diamètre. Donc c'est la taille d'une planète naine. La fréquence de passage d'un tel corps sur Saturne, c'est 1 tous les milliards d'années. Donc une comète de quelques kilomètres de long, c'est trop petit. Donc ça, on oublie. Lorsqu'un objet rencontre une planète, donc on a vu, il est détruit par les forces de marée. Et les débris créés vont orbiter dans le même sens que la trajectoire d'arrivée du corps détruit. Donc le corps arrive comme ça, il est détruit, et les débris vont orbiter dans ce sens-là. S'il arrive comme ça, les débris vont orbiter comme ça. Sauf que dans la ceinture de Kuiper, les corps orbitent dans tous les sens. On n'a pas un sens donné pour tous les corps. Et sauf que les anneaux des planètes géantes, ils orbitent tous dans le même sens. Quand on regarde la planète par le pôle Nord, ils sont tous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le hasard voudrait que tous les corps qui soient détruits tournaient dans le même sens. Bon, c'est peu probable. Donc ce modèle n'est pas retenu. Ensuite, on peut avoir un satellite qui soit détruit par Saturne. Il aurait migré vers la planète. Ça aurait repoussé du gaz de Saturne vers l'extérieur. Et le satellite aurait dû faire 5000 km de diamètre. C'est à peu près la taille de Titan, son plus gros satellite actuel. Une fois passé la limite de Roche, le satellite se fracture à cause des forces de marée. Et puis, on a une petite quantité de matière qui reste en orbite pour former les anneaux. Donc le reste de la matière tombe dans la planète. Ce modèle-là ne peut fonctionner que pour une quantité de gaz expulsé très précise. Donc assez de gaz pour faire migrer le satellite, mais pas assez pour nettoyer les débris. Donc l'équilibre est fragile. Pour leur âge. Donc tous les corps du système solaire sont noircis par les objets, l'érosion de la ceinture de Kuiper et de la ceinture d'astéroïdes. L'hypothèse, c'est la suivante, c'est que les anneaux sont jeunes, ils sont brillants. Ils sont noircis, ils sont plus vieux. Donc là, on a des anneaux très jeunes, composés entièrement de glace. Après, on a des anneaux moins jeunes qui sont recouverts des deux côtés par de la matière sombre, donc les débris des ceintures. Et puis là, on a des anneaux très vieux avec une fine couche de glace et beaucoup de matière sombre. Donc en 2006-2007, la sonde Cassini, elle nous apprend que dans les anneaux, les plus massifs, la quantité de matière non glacée, elle est d'environ 0,1% à 0,5%. C'est très peu. Localement, elle peut monter à 10% dans les anneaux C et D, mais ça reste quand même peu. Donc cette matière, elle peut avoir été apportée en 200 millions d'années. Donc c'est beaucoup plus jeune que notre système solaire. Donc seul le modèle du corps venant de la ceinture de Kuiper est compatible avec des anneaux jeunes. Mais le problème, c'est toujours le sens de rotation des anneaux qui serait identique pour toutes les planètes, enfin qui est identique pour toutes les planètes géantes. Donc la matière des anneaux, elle pourrait peut-être être recyclée. Ça fausserait l'âge hypothétique des anneaux. Et puis les dernières mesures, elles ne vont pas dans le sens d'anneaux jeunes. Donc on ne sait pas non plus pourquoi Mars, la Terre, Vénus et Mercure n'ont pas d'anneaux. L'anneau F, on en parlait tout à l'heure, donc lui, il se situe à 2,5 rayons planétaires, donc il est pile sur la limite de Roche. Donc on a des forces d'accrétion et de destruction qui sont parfaitement équilibrées. Et ça donne lieu à des phénomènes transitoires. On va avoir des nuages de poussière, des lunes éphémères qui vont se former. Et puis, on a également Prométhée. Donc, on a vu, l'anneau F, il est encerclé par Pandore et Prométhée. Et Prométhée a une orbite elliptique.
Il s'approche, puis il s'éloigne toutes les 15 heures de l'anneau F. Et en fait, il va créer ces sillons noirs qu'on voit ici. Et ça, c'est des sillons qui sont vidés de leur matière. Donc leur épaisseur, le meilleur moment pour mesurer l'épaisseur des anneaux, ça va être tous les 15 ans. C'est au moment de l'équinoxe. Donc c'est quand la Terre va passer dans le plan des anneaux. Et donc là, ils vont apparaître comme une ligne très fine et très peu lumineuse. Donc en 1979, on a une première mesure de la Terre qui nous donne 1 km. Et puis on a Voyager 1 qui va mesurer par micro-ondes. Ça nous donne dans l'anneau C, on est à 10 mètres d'épaisseur. Et puis dans l'anneau A, on est à 50 mètres d'épaisseur. Donc on est très loin des 1 km. Cette mesure, elle serait plutôt représentative de l'anneau F, qui serait plus épais et qui masquerait les autres anneaux. Le prochain équinoxe de Saturne aura lieu l'an prochain, en 2025. La formation des satellites. Donc le modèle, c'est qu'ils se sont formés en même temps que Saturne, donc il y a 4,5 milliards d'années, à partir du gaz et des poussières qui entouraient Saturne. Et puis, ils se sont collés sous l'effet de la gravité. Ils se sont collés sous l'effet de la gravité et les petits blocs agglomérés ont grandi petit à petit. Et puis, ils ont migré vers Saturne. Certains s'y sont définitivement perdus. Pour Jupiter, par exemple, ce modèle fonctionne. Pas pour Saturne, parce que les satellites les plus proches de Saturne devraient avoir perdu leur glace d'eau. Or, on a Tétis qui a 90% de glace d'eau, et Titan qui est 4 fois plus loin et qui a 50% de glace d'eau. Donc, ça ne colle pas. On a une autre anomalie, c'est que la masse des satellites augmente avec leur distance à Saturne. Donc, ils sont petits vers les anneaux. Donc là, on a la limite de Roche. On dépasse la limite de Roche. Ça s'agglomère. Ça forme des lunes de plus en plus grandes. Et puis, les lunes s'éloignent. Donc, la théorie émise en 2010, c'est que les satellites sont formés au bord des anneaux. Puis, ils s'éloignent. Donc, les anneaux ont tendance à s'étaler naturellement. Il devrait doubler de taille tous les 100 à 500 millions d'années. Donc, par contre, ils existent dans une taille finie, la limite de Roche, 2,5 rayons planétaires. Ils ne peuvent pas dépasser cette limite. Donc la matière, elle va s'assembler sous forme de satellites. Et on a, dans l'anneau F, on a de nouveaux satellites qui se forment, on l'a vu. On a également Prométhée, Pandore, Janus. Donc tous ces satellites, ils sont très riches en glace d'eau et donc ils pourraient effectivement être issus des satellites, des anneaux. Donc les satellites, ils orbitent autour de Saturne et par leur attraction gravitationnelle, ils vont déformer Saturne de manière imperceptible pour nos instruments. Et cette attraction, elle va créer un bourrelet de marée qui va frotter avec le reste de l'enveloppe gazeuse de la planète. Les satellites, ils vont tourner autour de Saturne moins vite que la planète sur elle-même. Donc Saturne, elle fait un tour sur elle-même en 10h30. Mimas, par exemple, en 23h et Titan en 16 jours. Donc ça va ralentir la rotation de la planète. Par un mécanisme de conservation du moment cinétique, les satellites vont s'éloigner de Saturne. Tout comme notre Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3 à 4 cm par an. J'ai pas commenté. Donc là, plus on est proche de Saturne, plus les satellites sont petits et plus on s'éloigne, plus ils grossissent. Donc là, on a Atlas, 30 km, Pandore et Prométhée qui entourent l'anneau F, 80-86 km de diamètre, Janus, 180 km, et puis Épiméthée, 110 km.
Voilà, donc plus on s'éloigne, plus ils grossissent. Donc les satellites, ils ne peuvent pas rester sur place, ils s'éloignent, ils se rencontrent, ils fusionnent, ils grossissent encore et donc ils s'éloignent encore plus. Donc ce modèle, il fonctionne de Prométhée. Prométhée qui est là, l'anneau F, jusqu'à Rhéa. Donc Rhéa, il est situé à 500 000 km. Donc les satellites les plus lointains seraient donc les plus anciens. Rhéa, il y aurait entre 2 et 3 milliards d'années. Pandore, Janus et Prométhée, quelques centaines de millions d'années. Donc en 2014, on a détecté des nouveaux satellites en train de se former dans l'anneau F. Donc les anneaux, petit à petit, ils se vident de leur matière en formant de nouveaux satellites. Donc ils devraient être 100 à 1000 fois plus massifs auparavant. Donc est-ce qu'ils vont disparaître? Parce qu'ils se vident par leur bord interne. Donc les anneaux d'oxygène et de carbone, ils tombent dans Saturne. Et puis par leur bord externe, avec la formation des satellites. Mais en parallèle, on a également une évolution qui est de plus en plus lente. Donc ils seront certainement de moins en moins brillants et de moins en moins épais. Peut-être que le stade ultime des anneaux, c'est des lunes très sombres et de fin annelés, comme les anneaux de Neptune ici, qui sont très très fins comparés à ceux de Saturne. Donc on ne sait pas s'ils vont finir par disparaître ou pas. Aujourd'hui, Saturne possède 146 lunes connues. La découverte des satellites, elle est facilitée au moment de l'équinoxe, parce que la lumière du Soleil, elle est également répartie entre les deux hémisphères, et surtout, on n'est pas ébloui par les anneaux. Donc certains satellites, on l'a vu, sont natifs du système, ce sont les satellites réguliers, donc ceux qui se créent dans les anneaux. D'autres sont adoptés, c'est la capture d'un corps par la gravité de Saturne, et ça, ce sont les satellites irréguliers. Ils ont des orbites inclinées, allongées, parfois rétrogrades, alors que les satellites réguliers sont prograde et peu inclinés et circulaires. Donc ici, c'est une photo en négatif, en fait. Donc on a l'anneau C et B. C, il est fin, il est dense, il est peu dense. Et en fait, il va laisser passer beaucoup la lumière, c'est dommage. Ici, on a l'ombre de Mimas. Donc ici, on a l'anneau C, et ici, on a l'anneau B, qui laisse peu passer la lumière parce qu'il est très épais et très massif. Donc les lunes mineures intérieures. Donc on va avoir Pan, Atlas, Prométhée, Pandore, et Pollux, Janus aussi. Donc ils ont un diamètre inférieur à 200 km. Certains sont enchaînés à un satellite régulier, d'autres sont coincés dans les anneaux, donc dans les divisions. Ils sont jeunes et essentiellement composés de glace d'eau. Et ils sont trop petits pour être sphériques. Donc on n'a que des corps un peu chaotiques. Donc dans l'anneau A, on a Pan, Daphné et Atlas. Donc Pan, il est dans une division qui mesure 320 km de large. Daphné, on a dans une division qui mesure 35 km de large. Donc plus la division dans laquelle ils évoluent est grande, plus le satellite est gros. Donc Atlas, lui, il va confiner l'anneau A parce qu'il est situé juste à son bord. Et donc ça va ralentir son étalement. Prométhée et Pandore, donc on l'a vu, hein, entourent l'anneau F. Et ils sont situés exactement sur la limite de roche, et donc ils sont soumis à d'intenses forces de marée. Ces satellites, ils sont entourés d'un bourrelet équatorial, hein, on le voit sur un peu chacun d'eux, ici. Donc ça leur confère une forme de madeleine. Transposée sur Terre, cette excroissance, elle correspondrait à une montagne d'à peu près 1000 km de haut. Pour des corps de moins de 200 km de large.
Donc elle résulterait de l'accrétion de particules de glace des anneaux au niveau de leur équateur. Et ces zones-là seraient plus jeunes que leur pôle, et donc moins cratérisées. Donc les satellites, quand le Soleil est dans le plan des anneaux, les satellites sont plus larges que les anneaux, et donc ils vont créer ces ombres sur les anneaux. On a aussi des structures en forme d'hélice qui se forment dans l'anneau A régulièrement. Donc ça, ce sont des satellites de moins de 500 km de diamètre. Ils ne sont pas assez massifs pour nettoyer l'espace autour d'eux. On a Épiméthée et Janus. Donc Épiméthée, elle mesure 113 km de diamètre et Janus 179. Ils ont des trajectoires très proches. Ils sont éloignés seulement de 50 km. Et ils se croisent tous les 4 ans et ils échangent d'orbite. Donc ils ont dû se former à la limite de roches. D'abord Épiméthée, puis Janus. Janus étant plus gros, il a rattrapé Épiméthée. Et dans ce cas-là, on a deux solutions. Soit c'est une collision, soit c'est de continuer à évoluer en se croisant. Et dans ce cas-là, on appelle ces orbites des fers à cheval. Donc sur ces images, on a une minute qui sépare chaque image. Donc on a Janus et Épiméthée. Donc là, Cassini, elle était à 733 000 km de Janus et 148 000 km d'Épiméthée. Dans l'anneau G, entre Mimas et Encelade, on a des petits satellites. On a Méthone, Anté, Palène. Donc ils ont quelques kilomètres de diamètre. Ils sont assez petits. Ils ont une forme ovoïde, vraiment, et une surface très lisse. Ils sont probablement constitués d'un matériau poreux, comme de la neige, avec un cœur plus dense. On a Hélène. Donc là, cette photo, elle a été prise à 7000 km de distance. Elle présente, on le voit bien, des ravines un petit peu partout. Donc ça veut dire que des glissements de terrain ont eu lieu et probablement causés par des impacts météoritiques et d'extrême amplitude de température entre le jour et la nuit. Donc on va passer maintenant aux satellites réguliers intérieurs. Donc on a Mimas, Encelade, Tétis, Dionée et Rhéa. Donc eux, ils sont dépourvus d'atmosphère comme les autres. Leur surface, elle est glacée, brillante, et on a des traces d'activité passée pour certains. Ils sont sphériques comparés aux petits satellites, en fait à partir d'une certaine taille et donc d'une certaine masse. Les objets atteignent l'équilibre hydrostatique. Donc ça leur confère cette forme sphérique. Et les forces gravitationnelles qui s'exercent en tout point à la surface de l'objet sont égales exactement aux forces de pression qui s'exercent en leur cœur. Donc dans le système solaire, on n'a que 19 objets qui ont atteint cet équilibre, dont les lunes intérieures de Saturne, donc ces 5-là, Titan et Japet. Donc leur taille et leur masse, comme pour les autres, augmentent avec la distance à Saturne. Donc on va commencer par Mimas. Il est composé à 70% d'eau et il mesure 397 km de diamètre. Une oscillation a été détectée dans sa rotation, qui a été découverte par Cassini, et ça pourrait traduire la présence d'un océan enfoui, mais sa surface, criblée d'impact, ne montre aucun signe de cet océan, ni d'une activité interne quelconque. Son plus gros cratère, ici, c'est le cratère Herschel, et il mesure 130 km de diamètre. On a un pic central, ici, qui est plus haut que l'Everest, il mesure 10 km de haut, pour un corps qui fait 397 km de diamètre. Ensuite, on a Encelade. Encelade, elle a un diamètre de 500 km.
C'est la distance Paris-Brest, pour vous donner une idée. Donc sa température moyenne, c'est moins 190 degrés. Et sa période de révolution, elle est inférieure à 2 jours. C'est l'objet le plus brillant du système solaire. Donc lui, il va refléter 81% de la lumière du Soleil, là où la Lune en rejette 11% et Vénus 77%. Voyager 1 et Voyager 2, en 1980, ont montré l'absence totale de cratères dans certaines régions. Et ça démontre une activité. Donc Cassini, elle va nous apprendre que des panaches de matière sont détectés au pôle sud. Et c'est eux qui alimenteraient l'anneau E. Donc on les voit très bien ici, à contre-jour uniquement. Donc un océan global, tout autour de la planète, subglaciaire, donc en dessous de la surface, serait présent et en fait les forces de marée qui sont puissantes l'empêchent de geler et ça provoque ce cryovolcanisme. Donc les jets, ils émettent environ 20 kg de poussière et 200 kg de gaz par seconde. Donc c'est éjecté par ces 4 failles qu'on voit ici. Donc elles sont appelées les rayures du tigre. Donc elles sont profondes de 500 mètres. Elles mesurent 135 km de long et elles sont presque parallèles. Elles sont espacées de quelques dizaines de kilomètres entre elles. Et on ne le voit pas sur cette image, mais en fait, elles sont entourées d'une chaîne de montagnes qui fait tout le tour du pôle sud. Et toute cette zone, elle est plus jeune que le reste d'Encelade. Donc son océan, il est épais de 40 km. Il est situé, en revanche, il n'est pas enfoui à la même profondeur. Donc au pôle sud, là où on a les geysers, il serait à 5 km de profondeur, et à l'équateur, plutôt à 40 km de profondeur. Il est en contact direct avec son noyau, qui serait poreux. Et donc Encelade s'éloigne de Saturne à la vitesse, comme notre Lune, de 4 cm par an. Ensuite, on a Tétis. Tétis, il est composé de 90% d'eau. Il présente de nombreux cratères, hein, comme on peut voir sur cette image. On a aussi des fissures, des fractures. On a des plaines lisses qui suggèrent une activité tectonique passée. Et on a un gigantesque canyon qui mesure 4 km de large, 65 km... 4 km de large et sur 2000 km du nord au sud. Il a sûrement été créé suite à l'impact, l'onde de choc, suite à l'impact avec le météorite qui a créé ce cratère. Donc c'est le cratère Odyssée qui mesure 400 km de large. Tétis mesure 1000 km. Ensuite, on a Dionée. Dionée, elle est plus dense, elle est composée à 50% de roches. Et sur son hémisphère avant, on a des traces de possibles dégagements thermiques ou d'épanchements cryovolcaniques. Et son hémisphère arrière, il est beaucoup plus cratérisé avec la présence de canyons. Ici, on en voit aussi. Un océan pourrait être à 100 km de profondeur sous sa surface. Elle mesure, elle, 1100 km de diamètre. Ensuite, on a Rhea. Donc Rhea, elle est composée à 75% de glace. C'est la plus cratérisée des lunes intérieures de Saturne. Elle a une très fine atmosphère et elle posséderait un fin système d'anneaux. Elle mesure 1500 km de diamètre et cette photo elle a été prise à 1 million de kilomètres par Cassini. Ensuite, on a Japet. Donc Japet, sa face avant, elle est noire et sa face arrière, elle est blanche. Donc ça, c'est la face avant. Ça, c'est la face arrière. Donc c'est la troisième plus grosse lune de Saturne. Elle mesure 1470 km de diamètre. Elle orbite à 3,5 millions de kilomètres de Saturne et sa période de révolution, elle est égale
à sa période de rotation, 80 jours. Il est découvert en 1671 par Jean-Dominique Cassini, qui déjà avait fait l'hypothèse d'une lune avec une face noire et une face blanche. Donc Jappé, il est plus aplati au niveau de ses pôles et il devait probablement tourner beaucoup plus rapidement. Donc la face sombre, elle est due au dépôt de poussière de l'anneau de Phébé parce qu'il le traverse à contresens. Et donc cette face, elle absorbe aussi également davantage le rayonnement solaire. Elle chauffe donc plus. Ce phénomène, ça va entraîner la sublimation de sa glace. Et puis, elle se recondense dans les zones claires sur sa face arrière. Avant, du coup. Sur Jappé, au niveau de son équateur, on a une grosse protubérance qui fait tout le tour. Et ça se classe parmi les plus hauts sommets de notre système solaire. On est à 13 km d'altitude en moyenne, et certains sommets vont monter à plus de 20 km d'altitude. Donc son plus grand cratère, je ne sais pas si vous le voyez très bien, il est situé ici, et il fait 580 km de diamètre. Ensuite, on a Hyperion. Hyperion, il orbite à 1,5 million de kilomètres de Saturne. Il est situé entre Jappé et Titan. Entre Titan et Jappé, c'est le plus gros objet non sphérique du système solaire. Il fait 360 km au plus long. Donc, comme ça, 360 km. Il a une forme irrégulière et l'apparence d'une pierre ponce. Sa densité, c'est la moitié de celle de l'eau. Donc ça suggère une structure interne poreuse. Ça pourrait être un fragment d'astéroïde ou une comète capturée par Saturne. Il est composé majoritairement d'eau. Sa surface, elle est criblée d'impacts qui sont remplis de poussière sombre qui viendrait également de l'anneau de Phébé. Cette photo, elle a été faite lors d'un survol à 33 000 km de sa surface. Donc son plus gros cratère, il est presque aussi large que l'objet lui-même, il est là. Et là, il y a 6 km de profondeur. Donc son axe, sa vitesse et son orientation, elles sont imprévisibles. Et ça change vraiment tout le temps. Cassini n'a pas réussi à observer toute sa surface. Donc les effets gravitationnels exercés par Titan et Saturne sont sans doute à l'origine de ce phénomène. Il orbite proche de Saturne, qui est pourtant bien plus massif, et il est en résonance 3-4 avec lui. Donc Titan fait 4 tours de Saturne, pendant que Hyperion en fait 3. Ensuite, on a les satellites irréguliers, donc c'est Phébé en fait partie, c'est le plus grand. Ces satellites-là ne sont pas natifs du système saturnien et ils ont comme origine la ceinture de Kuiper, donc au-delà de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques. Ils ont une révolution sidérale entre 1 et 4 ans et ils orbitent entre 8 et 33 millions de kilomètres de Saturne, donc ça peut aller très loin. C'est entre 20 et 90 fois la distance Terre-Lune. Ils mesurent entre 4 et 40 km de long et ils sont très sombres, ils réfléchissent moins de 10% de la lumière du Soleil. Donc Phébé, c'est le plus grand, il mesure 213 km de diamètre. Elle est survolée au plus proche à 2070 km de sa surface. Elle est très sombre, elle est saturée de cratères. Et c'est toutes ces collisions qui vont alimenter l'anneau de Phébé et contaminer un petit peu tous les satellites environnants. Il est riche en glace carbonique et comme il est très loin, il n'est jamais masqué par la lumière des anneaux. Et donc il est observable en toute période. Ensuite, on a Titan.
Titan, il est découvert en 1655 par Huygens. C'est la seule lune de notre système solaire à être pourvue d'une atmosphère dense. Et cette atmosphère, elle a été prouvée par Kuiper en 1944. C'est la plus grosse lune de Saturne. Elle est plus grosse que Mercure. Et c'est le deuxième plus grand satellite après Ganymède, satellite de Jupiter. Il représente à lui seul 95% de la masse des satellites de Saturne. Il a un diamètre de 5150 km et il a une gravité qui est 7 fois plus faible que sur Terre. Il va mettre 16 jours à faire le tour de Saturne et en 1904, l'hypothèse est émise d'une atmosphère propre qui sera donc confirmée par Kuiper en 1944 et ça devient donc le premier satellite connu et le seul à ce jour à posséder une atmosphère substantielle. Donc, du méthane est détecté en 1944, puis du dihydrogène 30 ans plus tard. Ces molécules plus légères, elles auraient déjà dû s'échapper de l'atmosphère de Titan. Donc il existerait une source de dihydrogène sur sa surface. Donc le méthane présent dans son atmosphère, il va subir la photodissociation et ça provoque l'émission de dihydrogène. Donc on a une chimie organique qui est active et on a un cycle du carbone dans son atmosphère. Voyager 1, il va nous apprendre que la brume elle est trop épaisse, qu'aucun de ses instruments ne peut la traverser, et donc on ne peut pas observer sa surface. Donc son atmosphère elle a été détectée dès 1500 km d'altitude. C'est 3 fois plus épais que sur Terre, donc ça s'explique en partie par sa faible gravité. Donc son atmosphère elle absorbe la lumière solaire, dans les longueurs d'onde, du bleu ou dans l'ultraviolet. Elle apparaît donc plutôt jaune-doré dans la lumière visible. Et cette brume, elle diffuse la lumière solaire dans toutes les directions. Donc sur Titan, on n'a pas d'ombre. Le Soleil, lui, il serait visible à travers la brume. Sous forme déjà 10 fois plus petit, ce serait un cercle et il serait entouré d'un très large halo. Donc Titan, il est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc il reçoit 100 fois moins de rayonnement solaire en haut de son atmosphère. De ces 100 fois moins, il y a seulement 10% de la lumière qui parvient jusqu'à sa surface. Donc en plein jour, la luminosité elle est 1000 fois plus faible que sur Terre. Donc à midi, on aurait la lumière de notre aube ou de notre crépuscule. En revanche, à sa surface, la visibilité elle est plutôt bonne à l'horizon, à quelques dizaines de kilomètres. Donc à partir de 40 mètres, donc quand on passe la stratosphère, à partir de 40 mètres d'altitude, la surface elle se dévoile. On entre dans la troposphère. Donc ici, on a les brumes. Là, c'est la descente de Huygens, du module. Donc ici, on ne voit rien. Là, on passe la troposphère et on voit plutôt très bien à l'horizon. Donc, son atmosphère. On a la troposphère de 0 à 45 km. On est à 1,5 bar de pression, moins 180 degrés. On n'a pas de différence de température entre le jour et la nuit. Et on a seulement 2 à 4 degrés d'écart entre les pôles et l'équateur. Donc son atmosphère, elle est trop dense, trop épaisse pour avoir un changement thermique rapide. Et la troposphère, elle représente à peu près 90% de la masse de son atmosphère. Donc 0,45 km d'altitude, 90% de sa masse. Donc il peut se former de la pluie de méthane. On a des vents qui peuvent atteindre 30 km/h, plutôt pas très fort. Ils vont former des dunes qu'on a ici. Là.
Il y a à peu près 17% de sa surface qui est recouverte par des dunes, alors que sur Terre, on va être à 1,5% de notre surface. Et leur altitude, elle varie entre 50 et 200 mètres de haut, et elles font entre 1 à 3 km de large, et elles peuvent faire des centaines de kilomètres de long. Donc la température, elle chute de 1,2 degré par kilomètre jusqu'à atteindre son maximum à 45 km d'altitude. Enfin, son minimum, du coup. Donc moins 203 degrés. Et sur Terre, la température, elle chute de 6,5 degrés par kilomètre. Ensuite, on a la stratosphère, donc de 45 à 500 km d'altitude. C'est un milieu stratifié, on n'a pas de mouvement de convection. Donc la température, elle augmente progressivement par l'absorption du rayonnement solaire dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Donc on est ici. Donc là, c'est la Terre. Et là, c'est Titan. Donc on passe la stratosphère, on entre dans la stratosphère et là, on augmente progressivement. Donc la stratopause, c'est la zone où la température elle est maximale. On est ici. Et en fait, on a deux zones, parce qu'elle n'est pas à la même altitude sur la globalité de Titan. Son altitude et sa température, elle va varier en fonction des saisons et en fonction de la localisation sur Titan. Donc elle se situe entre 250 et 400 km d'altitude. Et la température, elle varie entre moins 100 et moins 60 degrés. Et ensuite, on a la mésosphère. Donc la température, elle diminue à nouveau, comme sur Terre. On a le rayonnement thermique qui va s'échapper vers l'espace. À 500 km d'altitude, il existe une couche détachée. Ça s'appelle de particules, donc sur une dizaine de kilomètres d'épaisseur, et c'est sur la globalité de Titan. Donc on la voit très bien ici. Et en 2009, à l'équinoxe, la couche détachée, elle est passée de 480 km d'altitude à 380 km en 6 jours titaniens, donc 3 mois terrestres. Ensuite, on a la thermosphère. L'atmosphère, elle est de plus en plus ténue. À 500 km d'altitude, la pression, elle est 1000 fois plus faible. Et le rayonnement solaire, ainsi que les particules énergétiques de la magnétosphère de Saturne, avec les molécules atmosphériques de Titan, elles sont des sources de chauffage importantes. Elles sont en partie compensées par la perte de l'émission thermique vers l'espace. Et du coup, on a une température moyenne à peu près de l'ordre de moins 100 degrés. Ensuite, on a la dernière couche de son atmosphère, c'est l'exosphère. Donc on est entre 1400 et 1500 km d'altitude. Cette couche-là, elle va être tellement ténue que les molécules peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans en rencontrer une seule autre. C'est la région la plus externe donc de l'atmosphère. Et ça constitue vraiment une zone de transition vers le vide de l'espace. Donc pour sa météo, l'atmosphère de Titan, elle tourne plus vite que sa surface. Son atmosphère, il faut 50 heures pour faire le tour. Titan, on est à 16 jours pour sa surface. Donc son atmosphère, elle tourne dans sa globalité, d'ouest en est. On n'est pas comme sur Saturne avec des couches de vent qui changent de direction. À 140 km d'altitude, on a des vents qui atteignent 360 km/h. Et à 75 km d'altitude, il existe une zone d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur à l'échelle globale, où il n'y a aucun vent, alors que cette zone, elle est entourée par des vents à 180 km/h. Et sur une dizaine de kilomètres, on n'a rien. Les vents les plus puissants souffleraient à 1300 km/h et seraient situés à 1200 km d'altitude. On a des nuages de méthane qui vont se former au pôle et régulièrement.
Donc ici, en 8 jours titaniens, donc 4 mois terrestres, on est 8 jours après son apparition. Il couvre 400 000 km². Donc il s'étend sur 800 km et 600 km de large. Il est épais, ce nuage-là, de 220 km. Et il va rester en place presque 12 ans terrestres. Donc la couverture nuageuse sur Titan, elle se limite à 1% de sa surface. Là où sur Terre, on est plutôt à 65% dans une année normale. Mais même par beau temps, son ciel, Titan, va rester opaque et toujours jaune doré. Donc pour sa surface, dans les années 90, la première vision de la surface du Titan, elle nous vient de Hubble, puisque Voyager 2 n'avait pas réussi. Hubble, il a réussi dans l'infrarouge à la photographier. Et puis les zones sombres, elles sont d'abord lues comme étant des mers. Actuellement, on n'a aucune preuve de cryovolcanisme. Donc à sa surface, on peut observer des lacs qui sont plutôt situés au pôle. On a également des chaînes de montagnes. Donc là, on en a une, deux, trois. La plus haute, elle mesure 3330 km d'altitude. Donc Titan, il semble peu cratérisé. Il a moins de 100 cratères contre 30 000 pour la Lune. Son atmosphère, elle le protège des météorites inférieures à 2 km de diamètre. Mais ça ne suffit pas comme explication. Donc comme son plus grand cratère, en fait, sa surface est envahie de dunes. Donc à droite, on va avoir le cratère le plus à gauche. Ici, on a son cratère le plus récent. Donc il est bien délimité. On voit encore son pic central. Et ici, il est complètement envahi par les dunes. On distingue à peine son pic central et à terme, il va disparaître. Donc la pluie et le vent érodent et gomment complètement les paysages. Titan, il est globalement plat. La moyenne des reliefs, c'est 1000 km d'altitude. Donc Titan, c'est le seul corps avec la Terre du système solaire à posséder des étendues liquides à sa surface. Elles sont plutôt confinées au pôle et actuellement plutôt au pôle Nord. Donc il existe plus de 600 petits lacs. Donc là, c'est en fausse couleur. Il existe plus de 600 petits lacs et trois vastes étendues de la taille à peu près des grands lacs américains. Ces trois mers, elles sont toutes situées à la même altitude. Donc la suite des explorations, donc la NASA elle a retenu le prochain projet d'exploration de Titan. Donc ce sera un drone, Dragonfly, donc qui ressemblera à ça, qui se posera à la surface de Titan. Il devrait décoller en juin 2027 et il atterrira 6 à 7 ans plus tard. Il arrivera sur Titan à la vitesse de 26 000 km/h et il sera freiné par l'atmosphère et par un parachute. Donc il pèsera 500 kg, c'est un poids qui est tout à fait possible sur Titan du fait de sa faible gravité. La mission, elle devrait durer 3 ans et 4 mois minimum. Et il devrait explorer une vingtaine de sites pour terminer dans le cratère Selk, à 200 km de son point d'atterrissage. Donc pour comparaison, Curiosity sur Mars a parcouru 25 km en 10 ans. Donc ce drone-là ne s'envolera qu'une seule fois par mois, donc 2 jours titaniens, pendant 1 à 2 heures. Et il faudra à peu près 1h30 pour que l'information nous parvienne sur Terre. Et il atterrira dans la même région que Huygens, donc 30 ans plus tard, soit une année saturnienne. Voilà.